Est-ce que c'est mieux? J'ai réduit un peu son au pouk-pouk. Est-ce que c'est mieux comme ça? Je vous préviens, ce week-end, y aura... de toute façon, ce week-end, il y aura de l'écho, vous ne pourrez pas me faire chier, ça sera en mode follow only. Bim. Follow only, emote only. Parce que vraiment, ce week-end, il faudra que je sois focus, donc pendant le tournoi, ça sera full emote only. Quoi qu'il en soit. Ouais, bon, elle est tellement dure avec le tournoi final. Salut Amanda, j'ai une plainte à faire, fais ta plainte, vas-y. Et donc, ouais, Scaru, hein, j'ai bien vu Taris Island, mais bon, en fait, en gros, tu sais ce qui, moi, me fait perdre tout intérêt? Il y a deux choses. Déjà, de 1, similitude avec World of Warcraft. Au secours. Voilà. C'est-à-dire que, bon, bah, déjà, faut arrêter peut-être les similitudes avec WoW. WoW, c'est quand même. Voilà. Et effectivement, à partir du moment où un jeu est sur mobile et sur PC, tu sais déjà que ça va être une merde. Voilà. C'est quoi, ça? Ah, c'est peut-être. C'est ça. C'est-à-dire que tu peux pas avoir un bon MMORPG, vous en trouvez pas un seul, hein. Qui est sur PC et sur mobile, il n'y en a pas un seul. C'est pas possible en fait, c'est parce que t'es trop limité par le mobile. Et en plus, ça sera forcément une merde pay to win. Donc bon. En vrai, je pense que tu viens de me donner tort. En vrai, ouais, peut-être que Albion peut être l'exception pour le coup, j'irais plutôt qu'il confirme la règle. Mais, belle, je suis assez d'accord, parce que Albion, à ma connaissance, il n'y a aucune saloperie. Oui, c'est pas la puissance, Ika. Qui me pose problème dans le mobile, c'est l'interface. Non, mais c'est une belle exception, je pense qu'il y a eu. T'as raison. Je suis c'est pas une question pas de puissance. Tu peux jouer sur... Albion est sur mobile, ouais. Bah, pour farmer, par exemple, ça que tu peux. C'est un MMO que j'attends, c'est Potter en février, mais plus pour. Quel MMO? Tu parles de Hogwarts Legacy, Papy Mif? C'est pas un MMO RPG du tout, c'est un jeu solo. Oui, mais Vampire Survivor, c'est pas un mobile. Attendez, vous me perdez. Non, il a été porté sur mobile par la suite. Ce qui fait une petite nuance, effectivement. Je comprends pas. Potter, tu l'as parlé de Hogwarts Legacy, c'est un jeu solo, Papy Miv. Qu'est-ce que tu me racontes, hein? Ouais, vous perdez, les gars. Attends, moi, c'est un early, là. Mais oui, Hogwarts Legacy, c'est un jeu 100% solo, Papy Miv. T'as rien suivi. Oh, alors putain. Oui, ça aurait été stylé en pseudo-MMO. Ah, ça, un MMO Harry Potter, je dis pas non, hein, mais t'es perdu complet, toi. Il est paumé complet, papy. J'ai pas compris non plus pourquoi tant de gens pensent qu'un jeu... Mais parce que les gens sont cons. Des amis le pensaient aussi. Change de pote. Changer de pote. Enfin, depuis le début, Hogwarts Legacy, ils ont jamais parlé de autre chose. J'ai beaucoup de choses à leur reprocher, mais pas là-dessus. Je veux dire, tu tapes sur Google, hein. Je sais pas où t'as vu ça, mais non, mais c'est... Il y a peut-être une annonce comme quoi il y avait un jeu il y a 5 ans qui devait être multi, mais... Enfin, Google, mode, solo. C'est... Au pire, Google est toujours votre ami, les gars. J'espère que voilà, l'égalité, ça me va. Bref, arrêtons de débattre pour les trucs qui n'ont pas lieu. C'est de vite se remettre en scène. Ça me fatigue déjà. Vengeance 4, ce serviteur se vend pour une pièce d'or de plus. Ah, et c'est peut-être cumulatif. Le multi a été évoqué au tout début. J'attends pas une MMO, la vieille déception que je viens de subir. Ah ouais, mais tu t'es fait un drogue. Mais enfin, tu te rends compte que ta déception, elle aurait pu être annulée juste en tapant le nom du jeu sur Google, Papy Miv? Vous me fumez. Non, mais c'était quand les annonces? Les gars, sans méchance, elle date de quand vos annonces, là? Hogwarts Legacy. Diablo 4, le multi, il marche comment au final? Coop à 4 et avec des événements, visiblement, on pourra se retrouver d'autres joueurs. Ouais, genre. Mais on croise d'autres joueurs, visiblement. Ce que j'ai compris, c'est que tu vas avoir, comme dans un MMO, tu vas croiser d'autres joueurs pendant ton aventure, quoi. Ouais, okay, et tu peux comme le Stark, 4. Mais sans. Un peu comme le Stark, je pense, ouais. En moins développé. J'espère qu'il y aura juste des Mokoko. Est-ce que vous auriez pas fait un micmac avec ce truc-là, un MMO RPG Harry Potter annulé par EA, mais qui a même pas vraiment été annoncé, qui était en off, quoi. Salut Nilia. Je pense que vous avez fait... Vous m'avez fait un truc full drogue, là, les gars. Moi, je pense qu'il y a de la bonne coke. Bah, j'avais ça ou le pigeon volant, là.
Mais ouais, il est pas simple à jouer, Curtius. Ah, attends, ça c'est bien par contre. Ça c'est pas mal, attends. Hop. Ça, si je dis pas de conneries, hop, ça fait 2. Ah, ça marche pas, merde. Ah, j'ai essayé de... j'ai essayé de magouiller, ça a pas marché. En vrai, ça le fait. Tac, et tac. Effet passif, spammer sur Discord. Oui, bah, il en faut un petit. Hot girls only here, move quickly. Ah! Avec un joli petit cul, excellent. Bannir. 8. Voilà. Salut Benours. Bonjour Bouchard. Ah, c'est l'heure d'aller à Picard. Bon appétit, bonne course. Benours, oui, 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 ça marche. C'était très sympathique, Benours. La RS7 est un bonheur. Est un bonheur sur les routes. Allemande, tchèque et polaque. C'était un plaisir. La Suisse, c'est magnifique. La Tchéquie, c'est cool. Et en Pologne, on était plutôt bien aussi. On a même été en haut d'une montagne, près de la station de ski, avec le frère de Nat, pour le coup. Il n'y a pas Nat là. Et c'était très sympa. Un petit trou de montagne. Quelques frayeurs sur le verglas, par contre. Parce que t'as beau avoir une RS avec un QCM Quattro et des pneus neige, on pourrait même avoir des chaînes, je pense, quand t'as du verglas, c'est du verglas. C'est quelques frayeurs quand même sur la route de montagne. Parce que autant j'ai fait, bah, je me suis amusé à faire une descente en drift avec la RS7 sur la neige. Donc bon, du drift en fait, donc ça c'était cool, un peu en mode rallye. Mais autant vous dire que le verglas, beaucoup moins fun parce que t'as pas de contrôle en fait. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup moins fun. Ah, je vais me faire souiller le cul. Ma grande passion. Non, c'était en Pologne, Mala. C'était. Vous écoutez que tu dis l'oreille, vous me fumez. En Pologne. Ah merde! Putain. En Pologne. Merde. À Noël. Et là, il y avait l'affichement de la neige pendant une semaine. Sur un Discord, quelqu'un de channel, si tu parles dessus, tu as un stand ban, du coup, ça clear tous les bots spam. Hein? Ah oui, d'accord. Ah, je comprends l'idée. Ah, c'est pas con ça en vrai que c'est là. Je viens de comprendre. C'est pas con du tout, cette histoire en vrai. Se vend pour une pièce d'or supplémentaire, c'est ça. Donc lui, je le vends 2 actuellement. Ah oui, ok. Ouais. Ouais, en gros, la fineuse, tu la gardes et tu cumules la thune. Là, je vais quand même en avoir un petit peu, je pense. Sympa, tu as trouvé ce que tu cherchais finalement, un lieu pour t'installer. Ah, mais ça fait un petit moment, Benours. Ah oui, non, tu parles de mon. Toi, tu parles du Tour d'Europe en septembre. Ah non, mais ça a changé, ça. J'ai déjà. Parce qu'on a fait un Tour d'Europe en hiver. Point d'exclamation Alsace, Benours. Ah oui, d'accord, t'es pas envie de puissant, pas de soucis. D'accord, d'accord. Okay. C'est qu'il s'en passe des choses, moi. Bouge ici. Et ce qui est cool, par contre, avec la fineuse catavérique, c'est que c'est cumulable et que ça marche avec les réincarnations. Ah bah ouais. Donc là, elle va me rapporter... Tout ce qui est refaire pop, ouais, bah, il faut, de toute façon, sinon c'est pas... C'est ça. Et là, elle va me rapporter un peu, là, en fait, ok. C'était même fin août l'annonce Benours et ça a commencé en septembre. Mais au final, ça, on s'est vite posé. On a quand même bougé en Europe, là, en hiver. Mais on s'est vite posé parce qu'il y a eu un coup de cœur pour Célestin en Alsace. La ville est magnifique. Et donc là, il y a un appart, un duplex de 125 mètres carrés pour l'incroyable loyer de 850 euros par mois. Vive l'Alsace. Bon. Ouais, donc là, il faut vraiment que je joue full rip-up. Bon, après, je ne peux pas jouer non plus autour, mais si j'ai les bonnes cartes, quoi qu'il rip-up. Tu joues qui pour qui, toi? Tu joues Ouais, nous autres. Oh, t'es bien là. Ça va. J'essaie d'être. C'est plutôt cool l'Alsace, ouais. Plutôt cool. Bon, lui va remporter maintenant 3 pièces d'or et je gagne. Ok, pas si mal hein, la fineuse calavérique en vrai quand tu l'as en early. C'est pas mal. C'est quoi ça? Ah bah c'est ouais, celle qui apporte la thune, oui. Il suit rien, Pookie, il suit rien. Putain.
Ça fait quoi ça? Réincarnation, début combat, donne réincarnation à mort-vivant allié. En vrai, la sainte âme, elle est pas mal. Ouais, c'est fou. Je vais la prendre, elle. Elle est pas dégueu du tout. Si c'est 2, 8, 4, 8 aussi. Okay. On va voir ça. Ouais, l'Alsace, c'est cool, c'est pas cher. C'est proche. Ça, je suis à côté de l'Allemagne, de la Suisse, de la Belgique, du Luxembourg. Je suis à côté de toute l'Europe, quoi, donc c'est vrai que c'est génial. Et on est situé dans un endroit où, où tout est à pied, c'est piéton en fait, donc c'est cool, il n'y a pas de bagnole. J'ai jamais de bagnole, voyez, vous voyez, pour ceux qui m'ont suivi quand je vis à Paris, c'était l'enfer. Là, j'ai jamais de bagnole en bas. Bon, bandol, il n'y a pas de bagnole du tout, c'est pas possible. C'est ça qui est génial aussi, mais bon, c'était particulier. En fait, j'ai l'avantage silencieux de bandol, mais tout en ayant plein de commerces en fait à quelques minutes à pied. Hein. Là où bandol, il fallait prendre la bagnole et. Alors, t'avais pas mal de trucs, mais bon, fallait pas être pressé, quoi. Donc ouais, très cool l'Alsace, très très cool. Si tu fumes, le luxe vaut tellement le coup. Ouais. Si tu fumes... Ah ! Ok, je ne fume pas pour moi là. Je viens de comprendre, ouais. Il y a les... Non, je ne suis pas un fumeur. J'ai jamais compris l'intérêt de fumer. Vraiment, hein, j'ai 36 ans cette année, enfin 35 ans et 36 cette année. Je ne comprends pas, j'ai jamais compris pourquoi les gens fument en fait. On va me dire, ouais, ils ont commencé jeunes, bah arrêtez. Alors je sais que c'est une addiction, mais comme toute addiction, ça se travaille en fait. J'ai vraiment, ça m'a toujours grandement bloqué, moi, le principe de la clope. Du coup, l'été scolaire, en fait, hein, ça se comment hein. Relou, c'est ça, hein. Bon, Mutanus, il vient de me souiller le fion. Par contre, là, je crois que ma meuf, elle va se vendre très cher. On va se faire un peu de thunes, là. Parce que j'arrête pas de me faire péter l'oignon, j'en ai un peu marre. Ah ouais, là, elle se vend 5 pièces d'or. C'est pas dégueu, cette histoire. Bon, gros boom, tu vas sauter. Toi, tu viens là. C'est peut-être le moment. Toi, t'es vraiment naze. Un, deux, trois, j'ai qu'un seul, c'est nul. Ah, c'est nul, c'est... Ah si, non, ça, c'est pas nul, ça. Ok, 2/4. Attends. Réincarnation, début du combat, dans réincarnation, un mort-vivant allié. Ok. Donc, tac... On fait ça ici. On va actualiser un coup. Faut que je l'achète si je le recrute juste. Non, ça rien. Je vais plutôt prendre Elise. 3/4. On va la vendre, voilà, je vais valider la quête. Fermeture du portail, encore 5. C'est 5 serviteurs en un tour pour donner plus de aux serviteurs et accomplir la suite de quête. Yes. On va actualiser. Bah ça vend pas du rêve, hein. Ça c'est quoi, râle d'agonie? Ça va être avec réincarnation, ouais. Merde. Vous êtes toujours dans la course. Ok. Oh là là. C'est pas fou, hein. C'est pas fou, les gars. Je tente des choses, mais c'est pas fou, hein. Par contre, en un tour, elle va m'apporter du pognon, elle, hein. Ouais, la meuf là, la fineuse calavérique, avec toute l'incarnation, rapporte du pognon là. Vache. Ah putain, elle vient de se prendre une bombe. Ah, deg. Unluck. Non, je vais win avec 14% de win, mais non. Mais si. Putain, il doit être deg. Hein. 14% de win et je win. J'aime. Ça, c'est beau ça. Il y a encore, elle est morte, je crois qu'elle doit se vendre une ou deux pièces en plus. Une pièce pour l'instant. Bon. Ah, le macaque doré, hein. Excellent. Bon, on va dégager Elise. Hein. Un serviteur de perdu, une pièce d'or de gagné. On va prendre lui. C'est pas plus mal sur lui, on va attaquer.
Alors, ouais, Bran. Ça va pas du rêve de ouf, mais bon. Je me dis au moins, tac, tac. Je suis à combien là? Encore deux? Ah putain, j'aurais pas assez. Ah, je pourrais finir ma quête, mais bon, je vais prendre cher, quoi, c'est le problème. Plus deux, je trouve ça nul. Faut que ça vaut cool de finir la quête, ouais. Parce que c'est moi ton prochain adversaire. Ah donc c'est pour que tu me pètes la gueule, c'est ça? Ouais, je suis pas sûr de gagner. Enfin, je... je suis pas ouf. Parce que ma quête... Attends, plus ouais, de tout, c'est je voulais vraiment jouer mort-vivant Enzas, mais j'ai vraiment eu rien. J'arrive pas à comprendre cette... Non, je vais pas la finir. Oh, tu l'as mis 12 secondes, ça, ton premier. Il a bouffé un... Attends, deux secondes. On en parle après. On aurait peut-être dû finir la quête en vrai, j'étais à 4 sur 5. Chiotte, j'ai fait de la merde. Putain, par contre, à quel moment j'ai une taverne 4 étoiles et j'ai que les cartes 1 étoile, au secours. Ah oui, t'es pas bien du tout, là. Non, bah... ça, c'est pas mal. Chance. Non, mais c'est pas dingue, hein. Ouais, t'as tes boubous qui vont aider, quoi. Ils vont aller sur des mecs nuls. Pas dingue, hein. Bah, ben ouais, tu vas win, hein. Non, non, tu win, hein. Pour moi, tu vas... Ouais. Ah, t'as plus de Diablo. Non, c'est bon. Non, mais putain, la random de merde. En vrai, ça va, je te fais pas très mal. C'est ça qui est bien. Non, mais. Il y avait combien pas... 52 52, 37, ouais. Bah, j'ai 52% de chance de win. Les probas ont été respectés. Putain, c'est pas ouf du tout. Hein. Vengeance, non, mais ça, c'est nul. Je sais. Aïe, aïe, aïe. Attends, vert, vengeance, donne 2 plus 1, 2, plus 2 plus 1 aux serviteurs adjacents. Ça ah, ça marche pas? Ah ouais, putain. Avec Bran, ça marche pas. On peut pas mettre deux taunts. C'est un peu nul, ça. Ouais, bah non. Ah si, bah, ça met deux taunts sur le même, quoi. Oui, c'est nul, quoi. C'est pas non. C'est de la merde. C'est ce que tu... terme que tu cherches. C'est de la merde. Après, je regarde un peu les cartes, quoi. Je les connais pas trop, donc bon, c'est vrai que c'est... Si je mets le dynamiteur avec le poisson de Benzo. Est-ce que ah, c'est putain, pas j'en peux plus aider. Ah, chier, putain, j'en peux plus. Non mais Bran, tu pues la merde, Bran. Pourquoi j'ai Bran en plus, moi là? Chier, pépé, putain, pourquoi j'ai Bran, quoi. Non, mais c'est nul. Ouais, je fais ça, à la limite. Ça pue la merde, mais bon. J'étais premier. Ah non, mais moi, là, je tente des trucs en mort-vivant, mais ça se passe... Oh là 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 là, 2% de chance de win. Oh, ça va être ça, là. Alors, Serpilleur, il a un T-Scolaire 80-80. Je suis censé le faire quoi. Ah, il y en a qui ont de la chance, hein. Ah, en vrai, je limite bien la casse. En vrai, je suis content, j'ai quand même pas mal limité la casse. Et t'es où, Tapouki? T'es contre qui Serpillère, c'est qui Serpillère? Ah mais t'es mort. Ah t'as putain. Pouk pouk. Je suis mort. Ah oui t'es mort là, je te le garantis. The fuck. T'es mort de chez mort mon. Ah ouais, 4 étoiles. Ah bah oui, son étoile 1 il s'est divisé en 2, il va mettre 12 piles, là c'est une blague. Il a la tristesse Pouki, je sens
Je sens un peu de somme. Non mais Enzot, je sais pas pourquoi je continue à jouer, c'est une de mes pires stats. Ah, bon, toi t'es enfin là. Ah putain, moi j'ai manqué de cartes là, c'est terrible. Pff, ma verre. Quand je suis avec toi, je fais le top 7 et quand je joue tout ça, je fais top 7. Je te mets... T'as la pression, c'est le chat, ça met la pression. Serviteur 6. Ah putain, j'ai vendu Bran au moment où il fallait pas vendre. Et ben maintenant, c'est là où j'ai Mecha Jaraxxus, quoi, Mecha Démon. Bon après, ça m'aura pas été très utile en vrai, mais bon. Pff, ça me fera des cartes, quoi. Réincarnation peut se métiser avec des mechas ou des démons. Ouais, super. Génial. Ça donne réincarnation aussi. De quoi? 10 d'attaque et réincarnation. Ah ouais, j'ai pas vu qu'il y a réincarnation. Ouais. C'est beaucoup trop fort. Écoute. Putain. Hop, tac, tac, ok. Bon, mais là, j'ai perdu au prochain tour. Donc bon. Bon, bah, ça sera top 6 à nouveau, hein. Sixième is my life. Ah, putain. J'ai pas fait top 8. GG. Mais donc, ouais, Scaru, c'est sans méchanceté que je dis ça, mais bon, j'ai beau m'intéresser au MMO, effectivement, je veux pas mettre le genre de personne, tu vois, qui se jette dès que tu vois un truc MMO, ou finir comme Papy Miv et ensuite voir des MMO, là, il y en a pas, tu vois. Bim, ça c'était gratuit, un petit tac, là. Donc bon, Tencent, bon, moi j'ai rien contre eux pour le coup, mais un MMO chinois pour le coup, ça me dérange pas. Par contre, clairement, qui est sur mobile et sur PC, ça pue du cul. Inspiré de WoW, ça pue du cul. C'est qu'aujourd'hui, il faut pas s'inspirer de WoW. Je veux dire, WoW, la seule raison pour laquelle il perdure, c'est parce qu'il a 15 ans. Enfin, il a 17 ans. Ah ouais, surtout que WoW, il s'inspire des autres, donc... C'est ça. Directement. Je veux dire, enfin, aujourd'hui, un MMO qui sort, hein, qui ressemble à WoW, ça marcherait pas. La seule raison où je dis la pérennité World of Warcraft, c'est grâce à Warcraft. Mais le fait que t'as des gens qui aient limite une famille sur ce jeu, ça, faut bien le comprendre, quoi. Je dis pas que le jeu est nul, hein, c'est juste que il a rien, par contre, d'extraordinaire. Ok, ah, en vrai, ah, dommage. Oh, t'es pas dégueu, hein. Non, non, ça va... Ah ouais, bah non... Putain, je le bats avec 12%. Ah non, trade. Taille. Ah non, Ah non, oh, ah ouais, je lui fais mal en plus. Ta gueule, en PV. Ah, j'avoue, mais Mecha Jaraxxus, il a qu'un, il a... J'avais pas tilté. Que les réincarnations passent 0, dommage. Le hold-up complet, là. Non, mais là, on est sur un hold-up honteux, hein. Oh oui, ça c'est bien ça. Ça c'est plaisant. Alors par contre, t'es main verte. Donc ça marche ici, non? Ouais, c'est ça. Ah ouais, ouais, c'est pas dégueu. En vrai, est-ce que je prendrais pas elle là? Non, mais tu peux tout prendre qui est mieux que main verte. Hein, non, mais là, je peux prendre qu'un seul serviteur. Ah, tu peux roll une fois. Oui, est-ce que j'aurais mieux que ça, quoi? Bon, 5 étoiles, logiquement, oui, quoi. Mais, bah, ouais, si, j'ai lui qui va monter les deux, là. Ou Elise. Est-ce que lui, il va apporter quand même... Ouais, Elise, c'est un 5-5. Ouais, mais il va apporter 4-4. Enfin, il va faire 4-4. Ouais, non, mais c'est sûr. Mais Elise, ouais, me fera un gold. Si je survis un tour, j'aurai au moins un gold 6, quoi. C'est ça qui est cool. Allez. Non, mais Cartus, ouais, sa dernière quête, là, il est tellement chiant. Mais je comprends pas, en plus, je trouve ça nul. C'est juste qu'ils vont avoir 2-2. C'est nul à chier. Eh ouais, mais tu peux le faire. Tu peux pas le faire en continu. Non, mais c'est nul. Guff, il file 2-2 quasiment à tout le monde. Lui, il faut. Ah ouais, ouais, non, mais c'est de la merde. Hein. Il est nul, ce perso. Eh ouais, je sais pas pourquoi il le. C'est le Pedro. Bah, parce que c'est à 2-2 taverne. main et board, quoi. Mais non, c'est nul. Ah, tous fighters, ça mire pas la taverne, si. C'est 2-2 à tous. Même les rip-up. Ah, attends. Ah, c'est vrai? La taverne. Ouais, mais toute la taverne forever, parce que là, j'ai déjà amélioré. Ça n'a pas amélioré les trucs de la taverne? Tous. Non, je sais pas. De toute façon, je pense que je vais perdre là, donc bon. Ah, quoi que je suis contre le last. Eh, ça sera top 5 si je perds d'ailleurs. Les 5 serviteurs en un tour, ça te fait vraiment faire un tour de merde, je pense. Ah oui, c'est. Non, avec les rip-up et tout, ça peut se faire en soi, ça se. Enfin, tu sais, avec les trucs que tu vends. Surtout oui, avec la meuf que j'avais. Ah, en vrai, je suis bien. 49% de chance de win. En vrai, on est bien. Bah écoute, main verte, il buff mes stats. Mes persos, écoute. Hein,
Il buff depuis tout à l'heure. Hein. Ah, c'est pas incroyable, mais bon. Salut Corben. Non, il sert pas à rien. En plus, voilà, réincarnation, tac, ça c'est cool. Hop. Voilà, ah dommage, ça. Le point de vie va faire chier, là, je sens. Ah oh, putain, il a tapé sur ton 1 d'attaque avec son 1 de vie. Et bah, c'est gagné. C'est gagné encore, putain. Top 4, les gars, ça met un deck. Ah, pas mal, Corben. Pas mal. Et t'as kiffé alors? Je suppose que oui. Enfin, c'est con comme question, excuse-moi. Effectivement, bah écoute, GG à toi. Bon. Ah, main verte gold, bah écoute. Allez. Écoute, c'est pas si mal, hein. En vrai. Mais prends l'apprenti, quand même. Mecha Jaraxxus, go. L'apprenti, l'apprenti. Hein? De quoi tu parles? Full buff, Mecha Jaraxxus. Ah oui, l'engin de guerre, tu veux dire que tu veux que je prenne. L'engin et l'apprenti, il reste Mecha Jaraxxus. C'était pile. Hein. C'est pas faux. Alors, attends, tac. C'est vrai que je vais avoir deux Mecha Jaraxxus. C'est pas mal, hein. Ouais, il y a un truc à faire. Ah, là, tu vas pas juste pas pouvoir buff. Je vais dégager Elise, c'est pas grave, je la fais sauter. Oui, oui, on s'en fout d'Elise. Hein. Ah, tiens, t'as pas eu. Ah. C'est pas le même. Tu m'as fait flipper. Peu ce Manetis. Je peux lui dévendre 5 secondes. Attends, oui, j'ai mis Manetis là. Ouais, mais je pensais qu'il donnait que le. Ah merde, il a changé. En fait, il change. Maintenant, j'ai eu Furie des Vents, Puce Magnétiser. Ah, c'est ça, je sais pas si c'est random. Oui, bah oui, je pense. Hein. Mais t'as ça, mais qu'il y a des mots aléatoires. Oui. La main verte, c'est le relève de Gougout, exactement. Bah, je le mets quand même sur. Ouais, attends. Il est trop fort, hein. Bah, le ouais. 27. Hein. Ah oui, bah, tac. Et je vais prendre elle. Ouais. J'ai que deux mechas de toute façon, donc elle les raisera forcément. Ouais, faut juste qu'elle meure après, quoi. Ouais, ça peut s'arranger, ça. 24-19, lui, en vrai. C'est vrai qu'il est déjà pas mal. Ouais, je pense que je vais le prendre plus tard. Attends. Alors, main verte, je veux qu'il buff Mecha Jaraxxus et lui. Comme ça, c'est pas mal, non, je pense. Ouais, elle mourra. Faut éviter qu'il attaque lui-même, quoi. C'est chiant. De qui? Mecha Jaraxxus? Non, main verte, parce que Vengeance 3, tu l'as pas direct. Ah oui, merde. Oh, c'est pas bien placé, là. Bon, c'est pas grave, je sais pas ça. C'est que c'est galère. Ouais, elle, j'aurais dû la mettre au début. Pourquoi elle est pas au début, elle? Putain, j'ai chié. C'est ouais, ça, c'est j'aurais dû les mettre et bon. Elle mourra à la fin. Ah oui, pour qu'elle incarne. Il peut faire rapage qu'à 3 cartes Jaraxxus. Ah mais oui, donc j'aurais dû faire de la. J'aurais dû laisser de la place. Bon, c'est pas grave. Quoi qu'en vrai. En vrai de vrai, ça va se libérer. Hein. Allez, oui. Ah, j'espère qu'il se réincarne avant de faire pop les micro-votes, par contre. Oh, et non. Putain. Il ah se ouais, réincarne pas avant de faire apparaître les microbots, ouais. Ah bon, bah on sort. Ok. Après, je suis pas si mal quand même. Hop. Donc, ah mes deux mechas Jaraxxus. Bon, il va revenir. Ah, après, c'est des 3-15. Ouais. C'est qui revient unbuff, quoi. Je perds pas. Je prends 9. 8 même. Son cri de guerre, j'ai pas compris. Il a, ouais, c'est 3 cartes aléatoires. Le truc qui te donne là, le magnétisme. Ah, d'accord, oh putain, yes. Ouais, alors, attends. Vire-le, l'apprenti, c'est pas. L'apprenti. Oui, non, ça marche, c'est pas dingue. Lui, par contre, oui, 26-21, on va le prendre. Quand même pas mal. Bah oui, parfait. Et là, je vais pouvoir faire ma quête. Bouclier divin, ça j'en ai pas. Putain. On va falloir qu'on replace. En vrai. Je ferais bien sauter le deuxième mecha Jaraxxus en vrai. Attends. Ouais, ouais, check s'il y en a pas un. C'est ça, si je peux gold, ce serait quand même cool. Je vais prendre. Juste que je recrute. Tac. Ah oui, non, je pourrais pas l'avoir quoi, il faut que je gold. Non, je pense que je vais juste faire sauter par autant. Ouais, viens-le. On va continuer. On va faire tourner les trucs. Tac. Tac. C'est pas dingue, mais bon, je joue. On va finir avec la quête. Tac. Voilà. Bon, même prendre Leroy, écoute, hein. Hop. Alors, là, faut que je les place mieux, par contre. Toi, tu vas mettre à la fin. Ok, ok, ok. Très bien. Voilà, attends. Ça va aller comme ça. Et on met Leroy en premier, je pense.
Pas trop mal. Ouais, je pense qu'il a. De toute façon, c'est fini pour moi. Enfin, top 3. Ah oui, il a gare. Oui, non, mais lui, il va me souiller. Mais c'est pas grave, j'aime bien mon. C'est pas sûr. Alors, fais voir celui-ci, je pense que. Ah, j'ai 7% de chance de win. Hein. Il y a une chance. There is hope. Elle est passée à ce moment-là. There is hope, les gars. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je pense que pour tes 7% de win, avec Leroy, il tape gare. Ah oui, il a 153, j'avais pas vu. Ah oui. Ah oui. Je suis top, hein, avec ton 90. Non, non, mais écoutez. Ah, mais ouais, genre Axius qui repop pas, ça fait chier. Oui. Oui, oui, oui. Non, non, bah écoutez, c'est une défaite. Si t'avais mis les microbots avant la réincarnation, est-ce que ça joue comme ça ou est-ce que c'est... Ah, est-ce que genre il serait réincarné avec les microbots, c'est ça? Ouais, c'est vrai que. Juste son râle d'agonie avant le. On est d'accord que si j'avais buté son gars, je pense que j'aime moins que je win. Hein. Si j'avais buté son gars avec Leroy, je veux dire. Il y a peut-être moins. Ouais, puisque ton 90 attaques. Tu veux bien que c'est là ou t'es en cours, toi? T'as une vie et tout, c'est ça?